Là, on voit bien graphiquement ouais, ce que apporte le mode, quoi. Il fait ressortir les couleurs surtout. Hein. Ah ouais, vous savez, sur YouTube, normalement, quand on upload une vidéo, on peut. Il y a un angle où il y a écrit modifier et on peut mettre. On peut changer la saturation, la couleur, le contraste de la vidéo uploadée. Mais sauf qu'ils l'ont enlevé. Ça fait que moi, j'avais l'habitude de mettre plus 1 en saturation pour ressortir les couleurs. Parce que c'est vrai que d'origine, quand la vidéo elle, est uploadée sur YouTube, moi, je la trouve vachement fade. Il y a pire, quoi. Mais elle est fade, c'est vrai que moi je la trouve fade. C'est un manque de couleur. Ben, sauf que YouTube l'a enlevé, ce menu-là, je sais pas pourquoi. Je vois que il. Moi, il me servait. Et ben, ils l'ont enlevé, voilà. C'est vrai que si vous trouvez maintenant mes vidéos plus fades, ben, c'est tout à fait normal. Vous direz merci à YouTube. Je vois pas pourquoi ils l'ont enlevé, en quoi ils gênaient, hein. Ça c'est les flics qui tirent, même le bruit, hein, le mode modifie même le bruit. Allez, c'est parti, on va faire ce que j'avais fait, on va le blindage, hein. Carrosserie, les freins, pare-chocs. On va booster le moteur, l'échappement, on va. Double échappement, klaxon, on va mettre un musico, celui-là. Voilà, pour pas se faire chier non plus, quoi. L'éclairage, ben, des néons. Attends, ouais, je me suis pas. Ah, d'abord les phares. Ben, ouais, des néons. Kit néon, support néon, quoi. Ben, je vais mettre un à l'avant, un à l'arrière. Ensuite, au niveau des couleurs, je vais mettre bleu. Fait la plaque, je vais la mettre la plaque bleue là. Que je sais pas encore quelle couleur je vais mettre comme peinture. Ah ben voilà la peinture. Alors, klaxi mat, métallisé, métaux, mat. Ah, c'est pas ça que j'avais fait l'autre jour. C'est classique. Est-ce que c'était un classique que j'avais changé ma. C'était ça, je suis con, non? Non. Ouais, c'est vrai qu'en. La pète comme ça aussi, elle déchire. Même au niveau de la qualité visuelle de la voiture, le mode apporte aussi sur ça en fait. Alors hier j'avais choisi une couleur. Oh putain. Ouais, je suis très vintage moi. Elle déchire n'empêche. Ouais, vas-y, je mets ça. Tant qu'à faire. Après, est-ce qu'ils l'ont aussi en métallisé? Je pense que oui, ça serait logique. C'est vrai que c'est voyant. C'est là au pire. Ça, c'est pas assez voyant. On va faire ça. La bleue est pas mal aussi. Nocturne aussi, c'est kiffant. Ouais, je me salais pas. C'est bon. Qu'est-ce qu'il faut que je change maintenant? Un aileron, on va mettre le dernier. Suspension, rue. Ah non, bah oui, rue. Ça, je peux pas mettre sport. Transmission, on va mettre sport. Turbo. Ouh, elle fait un beau petit bruit. Les roues, on va mettre des types de roues. Des sportifs. Non, c'est pas des tuniques, je me dis. Là, ça la change plus, regardez. Ah, mais non, je suis con, mais. Ah non, mais ça, c'est légende. Qu'est-ce que je suis con. Type de roue. Ah non mais je suis con. Je confonds. Couleur des jantes.
Votre véhicule doit avoir des roues personnalisées. Passeport. Bon. Ça. Qu'est-ce que je vais mettre? Ouais, mettre ça. Non, c'est toi. Ouais, comme ça. C'est pas personnalisé, ça, peut-être? Qu'est-ce qu'un compte, lui? Couleur des gens. Pourquoi je peux pas changer la couleur? Mais s'il a un compte. Si je mets sport, ça marche? Genre, si je mets ça. Beautiful. LS Custom Style. Ok, super. Bon, qu'est-ce qui irait bien avec ça? Avec sa mère. Voilà. C'est tout, hein. Bon, bah ouais, que... Ouais, c'est parti pour l'émission, là, hop. On a fait la bagnole, on va aller chez mes... Direction chez Michael. Vas-y, il va à gauche ou à droite, lui. Troc. Oh là. Bon, heureusement qu'il y a du blindage, parce que là, elle serait déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup amochée. En même temps, si je me tape toutes les bagnoles, ça va peut-être pas le faire. Voilà, d'accord. Poteau, de poteau. J'ai fait une égratignure sur ma putain de bagnole. Oh, j'imagine que j'ai plus de phare. Ah si, ça va. La nuit est un... tellement nerveuse maintenant dans la voiture que ouais, c'est presque incontrôlable. Fuck. Ça passe. Allô. En fait, j'avais le choix entre jouer à Diard, continuer mon let's play sur Diard ou continuer le let's play de GTA. J'ai décidé de continuer GTA parce que j'avais envie de jouer à GTA tout seul. Que ça va déclencher une mission d'y aller. Ouais, bah visiblement oui, vu qu'il marche tout seul. Pourquoi il est bien comme ça, lui? Hey, there you are.
Ah oui, c'est vrai. Oh, je suis con. Hell yeah, we all good. We did. Yeah, you fucking ain't right, we did. So, here's the shot. Lester's offloading the gems. He knows a guy. Get us 50 cents on the dollar. Hell, we might actually have a little spending money left after we pay off that psychotic Mexican motherfucker. Whew, cheers. So that's that, right? I hope so. The whole job. Everything about it. Anyone who knows your file, what is wrong with you? Davey! Long time no see. And what about Trevor? If that fruitcake realizes, no, finds out you're alive, you are D-O-N-E fucked. Hey, don't worry about Trevor. Trevor's dead. He's gotta be. Besides, I didn't have nothing to do with it. Whatever the hell it is you're talking about. Really? The criminals are believed to escape with millions of dollars worth of gems, precious stones, and rings. Albert Story had a lucky escape when the thieves ran straight into him. Yeah, I was just doing my job, and I say to this guy, hey, you gotta move these bikes. I don't know anything about that. This other guy runs out of the shop, he pushes me over and says something like, you forget thousands of things every day. You make sure this is one of them. That was pretty scary. Back to you in the studio. You want to get lit now, sugar? Trevor, baby, you wanna smoke up now? Don't do it, Johnny. Don't do it. Trevor, you been with my girl again? I'm speaking with you, asshole. Don't do it, Johnny. I told him, Trevor. I told him. We all get high. We all get high. But that don't make it right. Johnny, leave it. The crystal has got us, babe. But that don't make it right. Don't make nothing right. Not what you done with me. I'm telling Johnny, leave it. I ain't leaving nothing. Trevor, I'm talking to you, motherfucker. Are you? What are you saying? Fucking my girl, man. It's wrong. Oh, I gotta fuck someone. You want me to fuck you instead? Is that the problem here? Take off your pants, cowboy, all right? Let's fuck. You think this is funny? Get them off! I told him to leave it, Trevor. I told him. Leave it. Leave it. Shut up, Ron. I'm about to fuck me a meth head, ain't I, cowboy? Get my boy sucked from his toothless gums, huh? Fuck you, Trevor. Oh. I still love her. All right, cowboy. Hey, I know. Hey, come on. Shh. I don't mean nothing by it, man. I just... I know. I'm messed up. I know, cowboy. It's okay, man. Give me a hug, yeah. Shh. Fucking shit! Cut! 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 Who the fuck are you speaking to? Who? Who? I'm talking to you, huh? You fuck! Johnny! Huh? Next time, don't get in my fucking face! I just saw a fucking ghost and I gotta hear your crap! Get up! Get up! Fuck you then! Ouais, c'est marrant de voir les anciens personnages des précédents GTA mourir par les mains des nouveaux, en fait. Perso 2. Les nouveaux GTA, c'est assez marrant parce que Johnny, il était dans le GTA 4, c'était le personnage. L'un des personnages de GTA 4. Hein. Il y en avait deux. Il y avait Johnny, puis deux autres, je sais plus comment s'appelaient les autres. Mais le fait que Trevor défonce ça la gueule de Johnny qui était qui était pas n'importe qui, hein, qui était quand même un gars. Un gars, on va dire, robuste et tout ça, ben, ça prouve qu'il est encore plus robuste que Johnny, Trevor, et Trevor, il est plus taré. Really? My cousin's there, but I don't... Find him, Wade! Does this mean I don't have to come see the bikers? We're in a hurry, but not that much of a hurry. But if we bury Johnny in the desert, and then quiet down that bitch Ashley you was in, then they don't need to find out about it! You think it's clever to disrespect women? Disrespect? What? I wasn't disrespecting, I was just saying we should kill her! You call her a bitch! Ah oui, et en fait, le fait aussi... ah bah si, je peux voir le code, du coup. Bah tiens, je vais le faire maintenant. Comme ça, Trevor aussi, il aura plein d'armes. Parce que, ok, j'ai pas non plus envie de me faire chier. Alors, les codes, je vais faire les codes. Code des armes.
Bon, en fait, je peux plus utiliser traîner parce que quand on met le mode graphiquement, le mode graphisme du Redux, ben, on peut plus utiliser l'autre mode. C'est un peu con, mais bon, tant pis. Hein. Heureusement, il reste les codes. Alors. Et 587. Nickel. Comme ça, j'ai tous les armes. Non, je peux pas le faire pour l'instant. Et un ancien moto. C'est vrai que le mode apporte énormément au jeu, hein. C'est vrai que c'est agréable. Je parle pas plus agréable. Faire chier, hein. Ah, en fait, je crois qu'il fallait tous les niquer. Non, c'était pas ça, mais en fait, ça va être ça. Hein. Ça aussi, c'est chiant. Hein. Tu nous fais retaper le chemin. S'ils nous auraient, ouais, ils auraient dû me faire spawn là où la mission, quoi. Ah bah non, très mauvais point pour eux, hein, pour Rockstar Games, ça. Parce que ouais, quoi. Kind of pale, Trevor, très débile de leur part. If you think you saw an apparition, there's a number of likely explanations. I mean, the government are releasing chemicals to control global warming. They'll try and control anything. It might have been the vapor somehow with the light. Shut up! Putain, deux fois, hein. Michael Townley, alive and well, taking the same scores, quoting the same dumb movies. That jewel store job in Los Santos? My cousin lives in Los Santos. Yeah? Well, why don't you reach out to him? Find out who pulled this job and how the fuck Michael Townley came back from the dead. We, ain't got close. Je suis sympa, j'ai pas écrasé. Ouais, boum. Ouais. Est-ce qu'il a corps sur Oise? Je veux savoir si. Bougez votre putain de race. Oh. Dommage qu'il pouvait pas. Ah, je vais me le reprendre. Alors, putain, je vais y arriver, oui. En même temps, en vue FPS, c'est. Ouais. C'est pas très recommandé, hein, de rouler. Comme un taré, surtout. We're going up to that farm on the right. That's where they're meant to be. Get out. Hey, you seen Ashley? Johnny's looking for her. Well, you know, as a matter of fact, I just did, just 10 minutes ago. Yeah, I saw her on the end of this penis here. Johnny ain't gonna be cool if you messing with her again. Oh, really? Well, you don't think so, huh? Well, why don't we just ask him then, huh? Hey, cowboy, you mind that I fucked your old lady? Sorry, what was that? Well, no, you don't mind? Oh, because you're a dead man? And the only sentient part of you left is this little bit of brain and the gristle on the end of my boot? Well, thank you very much, cowboy. Bullshit! Oh, I like it, denial. That is first part of the grieving process, brothers. Now let's all hold hands, huh? Well, looks like you got something you want to say, huh? You got something you need to say? This better be bullshit. Oh, where are you guys going, huh? Let's go, ladies. Ah, j'avais oublié que ça allait se passer comme ça. Follow the band back to the rest of them. Then the lost MC are out
this region for good. Faut que j'écrase les moutards. The van's got a pass, but the guys on bikes can go. Did you see the look on their faces? We scared them, didn't we? Yeah, thank fuck they didn't make you for the harmless idiots you are. You need some seatbelts back here, or straps, or something. I only keep things in the back I don't mind losing. Oh. Putain, si il faut que j'écrase les motards, bah j'y arriverai jamais. Non, je crois qu'il faut pas qu'ils me sèment en fait. Ouais, c'est ça en fait. Il faut que je les suive. C'est tout. Parce que je peux pas leur rentrer dedans. Putain, j'ai failli. Ce que je comprends pas, c'est le fait que qu'est-ce qu'ils foutent à aller les motards. Non mais attends, t'es sérieux là? Désolé, désolé. Bon, allez, remonte. Voilà, qu'est-ce que les motards de Johnny et sa bande foutent à aller alors qu'ils sont de New York hein, pour un peu. Ouais. Mais bon, moi, j'ai pas suivi la game non plus. Hein. J'ai pas été jusqu'au bout de la voiture de GTA 4, ça fait quoi, quoi. Mais bon. Ah ouais, bah il faut les tuer. Allez, hop. Et deux. Ouais, mais je peux pas tirer en même temps. C'est des malades, des mecs. Qu'est-ce que je vais faire? Regardez la voiture, mais je comprends pas, des fois mais elle glisse pour rien. Putain mais c'est hallucinant. Ah non, il faut vraiment que je tue les motards. Voilà, merci. Voilà, genre, mais putain, pour une fois que je le touche, lui. Ah bah c'est bah de toute façon je vais les tuer là. Ça c'est fait. Allez, vas-y hop, descends là toi. On les a ratés sur la route. D'accord, j'ai même pas toutes les armes. Putain, mais qu'est-ce qui va pas dans ce jeu? Ah ouais, y a tout qui marche, c'est les codes et tout. Et maintenant, y a plus rien qui marche. Là, vous m'expliquez pourquoi. Pourquoi j'ai que un fusil à pompe. Bon, allez, on va s'amuser à flinguer tout le monde là. Trop le problème des armes, ça. Ça dirait, la visée automatique, voilà, enfin, parce que. Waouh! Elle m'a envoyé chier, mais un truc de malade. Bon alors. Bizarrement, le coach, je sais pas ce qu'il a foutu, mais. Il a fait n'importe quoi. Merde. Oh là là. Mais non, mais n'enlève pas ton arme. J'ai fait n'importe quoi. Genre il est pas mort. Mais. Regarde la visée automatique, il a fait nimp. C'est où tu fais une visée automatique qui est correcte ou tu la fais pas, putain. Putain. Quelle est la visée automatique, putain. C'est grosse merde. C'est où les autres hein. Ouais, bah le code il a pas marché du tout en fait. Bref. Bah, je fasse gaffe parce que, ouais, que. Merde, putain, au moment que je m'enlève, il est là, lui. Non mais le mec, il est aimanté, le mec. Come out! An Avenger fallen
Une voiture, je sais pas. Si on les laisse échapper, je crois que c'est foutu. Tuons-les tous, hein. Y'a quelqu'un là-dedans ou quoi? Non, ils peuvent pas. Enfin, ils peuvent pas. S'ils peuvent, mais je veux dire, ouais. Come out and avenge your fallen comrade! Je me prends sur Diard, putain. Oh là, regardez tout ce qu'il y a là. T'avises bien, les mecs ils sont sur les motos et t'inquiète pas. Regardez, putain, mais ils. Ils ont été entraînés par le FBI, les mecs, c'est pas possible. Non, mais. Voilà, merci de te décoller de cette putain de caravane de merde. Ah putain, quelle arme de merde. Ah putain, y'en a un là. J'ai arrivé là-bas. Un Zeltov. Genre il est mort lui. Merde, il y en a un. Ouais, putain. Mais c'est le karma. Je vise, il est plus là. Le karma. Quand vous avez un karma de merde, ben voilà quoi. Ah, je vais faire peut-être. Dommage que ça tue personne, hein. Quand moi lui on sait qu'il est mort, hein. Allez, je recharge les gars, allez, tire. Ah, sur le toit carrément le mec. C'est pas chier, hein. Putain, il va crever, mais tu vas être. C'est peut-être crever. Point blanc sur le bonheur. Ah putain, j'en ai eu. Ah, y'en a encore un derrière moi, mais. Ah ouais, putain, c'est une intuition, je m'en rappellerai toute ma vie, hein. Parce que putain, ouais, que. Non, mais il est là. La visée automatique, elle est où? Moi je.
You got a highly explosive cookhouse in that trailer, huh? Eh ben, donc, ouais, la visée automatique, en fait, il n'y en a pas. Hein. Il y a une semi-visée automatique. Un semi. Hein. Faut que je me grouille de tuer parce que quand il fera nuit, je verrai plus rien. Tenez votre moto. Arrêtez de faire apparaître tes ennemis, merci. Allez! Je peux voir ses pieds. Putain, faut les trimer de balles. Pote. Où sont-ils? Comme dirait Duke. Il y en a ici, mais. Allez, viens. Putain, j'ai pas raté lui. Oh, man, you're kidding me. Let's have some time. Wow. Attends, mais il y a les flics. Retournez au pick-up. Oh putain, mais il y a les flics. C'est bien parce que les flics ils sont déjà là donc... Non mais faut que je tue les flics. Ouais bah faut que je tue aussi sur les flics visiblement. Dès que ça merde. Désolé mec. Oh vas-y montez. Troy. Vous pouvez monter les gars non. Putain, mais c'est pas vrai, un caillou. Mais montez les gars, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous montez pas? Je coupe rien du tout, je sais même pas ce qu'il faut faire. On va où les objectifs? Je sais pas, je demande hein. Visiblement ils n'ont pas pensé à mettre un menu objectif. Notification, peut-être c'est dans les notifications, je pense. Non, laisse tomber. Alors, compétence, papa, c'est mais les gars. Mais faut que je fasse quoi? Mais il faut que je me barre en fait. Logiquement. Parce que là on peut pas rester ici puis les tuer indéfiniment. Là faut semer les flics, ok d'accord. Parce que les flics de toute façon ils sont occupés avec l'autre là. Avec les bouffons là.